Katalay, Isaac Katalay, Nkomo, quelle chanson de Papa Wemba a marqué ta vie? Esclave. Monyo kolinga ina fimo ya bapa yao. Monyo kolinga ina fimo ya bapa yao. Bobo tolinga ibanza menyo soya Afrika. Mama. Maumbu na Amerika na kenze la masinyo. Maumbu na Afrika monyo lolo na kingo. Bote kinga ina zando ya tipo tipo. Nzambe kuyamba nzambe na vino wako chango kisho nepano na forma moto. Okomi moto moto za na moto devan bato bako yuka tebo moto. Na yote mwona nzambe kilemu nzambe. Tonga finga mekubosa na te klasenga na famia ba Kristo. Isaac leke liboso na famia Yesu Kristo. Ndeko mo Kristo lengoto sangula sangwa Kristo na this rap for Papa Wemba in 98. Quelle était sa réaction? The father is sitting there, he's looking at me. C'est oh, Papa Wemba. Bien, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique, merci de nous recevoir encore une fois chez vous. Nous sommes toujours présents pour les émissions des jeunes Congolais, ceux-là qui se sont déplacés pour l'outre-mer, mais qui n'ont pas oublié de nous présenter leur talent. Aujourd'hui, nous recevons un des jeunes le plus talentueux qu'on a rencontré ici aux États-Unis. Il vit ici depuis 20 ans, vous imaginez, mais il n'est pas déconnecté avec la culture congolaise. Je vous présente M. Katalay Nkomo, ou bien c'est vice-versa. Kumu Katalay, c'est beaucoup plus mieux. Alors, Kumu Katalay, c'est un artiste émergent. Ce dernier, il est aussi scientifique, puisqu'il évolue dans les milieux de l'académie. Il a étudié, il a tout fait, mais il préfère encore utiliser la culture congolaise. Monsieur Kumu Katalay, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici. Est-ce que, de ce que j'ai dit, vous êtes vraiment un talentueux, vous êtes danseur, vous êtes musicien, vous êtes guitariste et vous combinez les tout et en même temps vous êtes dans le domaine de la science. Comment vous combinez ces éléments? Bon, d'abord, comme je suis aussi quelqu'un qui est croyant, je vais rendre d'abord grâce à Dieu pour cette occasion. La parole dit en toute occasion, il faut remercier Dieu. Combiner. Bon, c'est par grâce, hein, parce que les choix, on n'en a pas vraiment du tout, parce que nous représentons un peuple, l'Afrique, et nous sommes dans la diaspora. Il faut tirer un peu de connaissances de gauche-droite et on essaie de bénéficier de ce qu'on a déjà acquis venant de là où nous sommes. De là où nous sommes arrivés. Ouais. Alors, je voulais vous signaler, Katalay est ici depuis 20 ans. Il est venu trop jeune. Il s'est débrouillé en français. Alors, j'aimerais peut-être qu'il de temps en temps, qu'il s'exprime en lingala. Puisque, ou en anglais, par contre. Même il peut combiner les trois langues, hein, français, ouais. Anglais et un peu de lingala, puisqu'il se débrouille bien, mais vous imaginez, après 20 ans, il n'a pas vraiment désarmé avec la culture congolaise. Donc, vous comprendrez que de temps en temps, il va naviguer dans les trois langues. Et alors, pour aller un peu plus loin, nous allons revenir, puisque je suis content qu'il y a un élément qui s'est ajouté. Donc, vous êtes croyant, vous croyez en Jésus-Christ, et vous vous donnez aussi à Jésus, ce qui n'est pas vraiment facile avec les jeunes d'aujourd'hui, et surtout ici aux États-Unis. Alors, pour l'instant, je voulais vous donner quelques minutes, et vous pouvez exprimer un peu, montrer aux gens votre talent dans la chanson, une chanson merveilleuse. Qui peut, Bon, you know, I want to beg the difference, parce que je ne vais pas montrer aux autres mon talent, je vais partager par contre l'ikabo, comme on dit dans notre langue. Ok, allez-y. Nano na monate, moto akomanyama. Nano na monate, avion komandeke. Nano na monate, minyokoli ya boy Africa. Oh, Africa. Yeah, yeah. Oh, Africa. Yeah, yeah. «
Ces chansons parlent de l'espoir, là où vous êtes, vous dites hop, 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 hop. It is in you, it is in I, it is in who we are. It is in you, it is in I, it is in all of us. Is hope. It comes in many phases, through many faces. It comes in many phases. Hope, 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 hope. Bomengwe loko nini, bomengwe utawa pie. Yango eloko nini, lelo toko bomana pona bomengo. Oh 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 mama. Est-ce que ça bomengo, moto ko kiko vivre te. Yango na lingi na yeba, tina na yo nini bomengo. Bomengo oh. Bomengo, tout le monde, tu sais. Bomengo, oh, bomengo, oh, falanga, falanga, eh. Lizeze, lizeze. Neko komeka te yo kokisa. Bolingo na yo na woya nzambe mokondi. Poya linga ki yo utabo mwana na yo. Kino lelo azalibe kolinga yo. Dala mona biso batone to boya kinjambe poto kene ki komi bwaka na masumwe njambe na nga ngai wona mwana na yo naye limbi sanga bona yebi na shala ki yo mabe mabe na nga na yena ngoli boso na yo o limbi sanga ngai mwana na yo Seigneur yo kakulila na nga Yahweh yo kanga na kobelela yo Ale yibilani mwani, mayele zalaka nangwelo kwa kosomba. Mayele zalaka nangwelo kwa koso. Mayele zalaka nangwelo kwa kosomba. Kasi bozo bae zalaka elo kwa ofele njambi. Lelo bate ki Kongo yeye. Na maboko abanguna Kongo monguna na yo nanie Kongo monguna na yo nanie Est-ce que za jalousie Est-ce que za kofinga Est-ce que za koboya Est-ce que za kochola Est-ce que jabanjala e Kongo mama 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 Kongo yomboka ya Lumumba Kongo, mboka kaza vubu. Yo Kongo, mboka ya zingankuvu. Yo Kongo, mboka ya simokimbangu. Yango peza laki, Kongo papa mobutuwe. Vraiment, merci, merci, merci le jeune talentueux Kumu Katala. Et merci, merci de nous avoir entretenus. Mais je suis un peu, avant qu'on aille dans la profondeur, c'est la chanson que vient de chanter, le dernier morceau. Est-ce que vous êtes politicien par hasard? Non, par contre, je tiens à la responsabilité. Comme on dit, l'artiste, c'est nous qui, c'est quoi, que, enseignant le mœurs, ou oui, oui. C'est quoi, il y a un langage français qui dit la même. Je prends cette responsabilité parce que l'artiste, c'est aussi un philosophe. Oui. L'artiste peut regarder. C'est un enseignant, c'est quelqu'un qui ouais. donne la perspective de ce qui se trouve autour de. Mais quand vous constatez. Ce que vous dites là, c'est un peu important dans la chanson là, mais quand vous allez chez les artistes qui sont restés au Congo, c'est l'amour. Oui, donc. Mais quand toi tu parles, ce n'est plus l'amour, c'est quelque chose de. Bon, moi en question, j'aime la littérature. C'est ça. Parce que j'ai remarqué dans la littérature, on peut donner plusieurs aspects d'un seul donné. Tout à fait. Et j'ai remarqué dans l'académie, il y a ce qu'on appelle limitation. Limitation, c'est quoi? Dans le sens que. Donc, il y a des limites, quoi. Ouais. Donc, il y a des limites. Un académique peut parler que d'une théorie ou deux théories pour exprimer
dans un papier. Parce que s'il veut couvrir tous les aspects de la société, ce papier-là va prendre trop des de temps. Des milliers, de temps. Et des pages. Milliers, c'est ça, oui, oui. Et maintenant, donc avec il faut circonscrire l'idée. Oui. Donc vous savez que l'idée est très grande, mais vous essayez un peu de prendre un élément seulement que vous développez. Non, par contre, oui. L'artiste, peut parler de plusieurs aspects en même temps. C'est comme nos livres de fiction, la littérature, là où on peut prendre tous les angles et on utilise de mécanismes littéraires pour en parler. Comme là, il y a des analogies, il y a de... Bon, la musique congolaise exprime tout ça en plusieurs volets. Il y a des analogies, il y a des paradoxes qui s'expliquent là, il y a l'ironie, il y a l'aspect aussi, l'allégorie. C'est ça, tout à fait. Donc, l'artiste peut plonger de tous ces aspects et exprimer ça dans quelques mots. Donc, la chanson Congo dit « Le loba teki Congo, nama bokwa banguna » tout direct, on peut voir la situation politique congolaise, mais l'artiste... Mais c'est à quoi moi je m'attendais, mais tu as changé pour... Non, l'artiste ne parle pas seulement de cette... parce que je ne vais pas me nourrir nécessairement dans cet aspect, parce que cet aspect n'est pas d'aujourd'hui. Parce que ça peut être aussi pas seulement politique, c'est un aspect aussi historique. Tout à fait. Parce que le Congo a été colonisé. Le Congo, il y avait un temps, King Léopold a eu une transaction avec le Congo, par contre. C'est ça. Il y avait un temps aussi, il y avait un certain Diego Kao qui... À découvrir l'autre angle. Oui, il y a ici le roi d'Iberia. Ils ont envoyé leurs gens pour parler au roi Zingankuvu, tous ces gens-là, pour dire qu'il y a eu des transactions qu'on peut débattre, qu'il y a eu un genre de vente en échange. C'est ça. On peut dire que c'est dans le temps moderne, mais dans le temps moderne, c'est plutôt une analogie parce que nous, on a trouvé ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, l'artiste prend tous ces aspects. Et le met tous ensemble. Mais directement, tu vois, je dis, parce que le Munguna, là, aussi, c'est un paradoxe, parce que le Munguna du Congo peut être le Congolais lui-même. Donc, la chanson est profonde dans le sens que, je peux être le sujet dans la chanson, mais je dois aussi regarder la chanson objectivement. Non, ça, c'était mon point de vue pour exprimer la jalousie. Ouais. Mais ce que vous vous dites, ce n'est pas l'individu catalan, vous vous dites le Congo. Oui. Pourquoi le Congo ne se développe pas? Pourquoi le Congo n'avance pas? Eh bien, pour que le Congo avance, il faudrait que les Congolais, donc les éléments congolais, puissent être dans l'harmonie, dans l'unité. Bon, quand je dis objectivement, ça veut dire toi et moi, on peut s'asseoir et commencer à regarder la chanson d'une manière objective et les éléments. Et moi, par contre, comme le feeling, je bénéficiais du feeling de l'être le sujet dont la chanson est passée vers moi pour être écrite. Ok, maintenant, dites-nous, what came into you to come up with this song? Bon, comme je dis, l'artiste voit plusieurs aspects. Non, parce que nous avons essayé de parler par-ci, par-là, tu dis non, il y a l'aspect intrinsèque, ce qui est venu dans ton cœur. Toi, le concepteur. Non, je peux simplifier ça, dire que le souci du Congo, c'est l'aspect... ma vision, c'est, comme je dis en anglais, is to highlight the contribution of Congolese culture in world history. Exprimer la contribution de ce côté-là, Congo, dans l'histoire du monde moderne. Donc, ça veut dire, je regarde le voyage esclavagisme, le triangle. Donc, je regarde ça, comment... le sang congolais est sorti et est devenu aujourd'hui, comme on voit dans le Cuba, dans le Brésil, et on a maintenant, même dans le jazz américain, mais on a tous ces sons qui bénéficient aujourd'hui le monde tout entier. Tout à fait. Donc, et je vois maintenant notre contribution dans ça, parce que ce n'est pas quelque chose de petit. Tout à fait. Et dans ça, maintenant, des chansons viennent, tu vois aussi la situation actuelle du Congo, parce que c'est vaste. C'est ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais tu sais de regarder... Avant de traiter bien avec le Congo, il faut traiter avec les Congolais d'abord. Parce que quand je dis « Lelo bateki Congo na mboko banguna » Non, mais moi, attention, moi, ma question n'est pas là. Directement, étant l'artiste, je dis quoi? Je dis « Congo, monguna na yo nanye » Je posais la question aux Congolais. Son nani aza na makanis na yo mongo. Non, si ça donne. Parce que... Ok, l'ova. Pour... Bungo abata teve maele le kabino. L'ova na. Nena o l'oba bozo zwana maele na viso toke na ombamo. Ok. Naibi que des fois, on peut avoir des problèmes de langue. Cela ne dit pas que je ne peux pas convertir ce que j'ai
en pensée à ces populations. Si il me manque des mots en français, je vais aller en anglais. Si il me manque en lingala, en français, je vais aller en lingala. Donc ça veut dire, I don't really need that much help, you know, per se. Donc, directement, j'ai posé la question aux Congolais. C'est qui ton ennemi? Parce qu'attention, parce qu'on peut dire que nos ennemis, comme on entend maintenant dans les médias, le Rwanda a fait ça, l'Amérique, le truc a fait ça. Mais attention, il ne faut pas oublier soi-même quand tu deviens l'ennemi de soi-même. Attention, parce que ça, c'est encore plus grave. Mais je t'ai dit, je t'ai posé la question, est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que les insultes, les calomnies, est-ce que c'est la faim? La faim. Parce que ça, ce sont des ennemis qui restent là et ça ne bouge pas. Mais ils sont créés par des événements. Attention. Quand on dit créés, ils sont des résultats des événements. C'est ce que j'ai dit. Ah, pas créés par des événements. Les résultats de ces événements et surtout la politique. Quand les gens ne savent plus donner à manger aux gens, ne savent plus donner les salaires aux gens, là, la faim s'installe et puis il y a maintenant la jalousie parce que lui mange, moi je ne mange pas. Bon, ça, c'est une perspective que j'entends. Je ne sais pas dans quelle académie qu'ils ont développé tout ça. Malgré ce sont des réalités, ce ne sont pas des choses qui sont vraiment fondées et développées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit quand le politique fait ça et directement. J'écoute tout le monde en ligne, il parle de ce genre de choses, je me dis que la pensée, attention, les Congolais, on doit développer notre pensée et penser au-delà. Ça veut dire quoi? Oui, quand je dis c'est le résultat, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs trucs qui affectent. Parce qu'on dit le politique, parce qu'aujourd'hui, le politique du Congo peut être bien, mais quelqu'un, la jalousie ne peut pas directement sécher dans son cœur. OK. Donc, ces facteurs peuvent toujours exister. Parce qu'on voit même parmi les riches, lui, il a 2 milliards de dollars, mais il veut toujours acheter le business de l'autre. C'est le système dans lequel nous sommes partis. Donc, alors, ce n'est pas seulement le Congolais, ça, alors? Ah oui. Mais dans le cas du Congo est complexe. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Le Congo est bon aujourd'hui, l'Afrique est bon. C'est ça. Et voilà maintenant, la contribution que le Congo a fait au monde, que ce soit dans l'art, dans la culture, c'est tellement évident. Parce que quand moi, je regarde Michael Jackson, je vois le Congo. Tout à fait. Quand je regarde le James Bond, je vois le Congo. Et je félicite en passant, Papa Mobutu. Parce que moi, je n'étais pas né encore. Parce que je vois aujourd'hui, quand les orchestres comme des Viva, un père à son nom, Papa Mba vient de mourir. On en parlera. Oui. Je vois des Aïko, c'est un mouvement. Et quand je vois les Aïko, je vois un peu de funk, un peu le mélange de notre culture et le funk que James Bond avait. Parce que tu vois ce mélange-là. Pourquoi? James Bond, c'est nous. Quand il est venu Il a le sang africain. Non, au-delà de l'Afrique, le sang congolais est apparent. Donc, quand Mobutu a pensons à ce genre de choses à mener, c'est pas seulement parce que notre économie, à ce temps-là, il a bougé, un Zaïre valait 2 dollars, ces trucs qu'on attend et les épreuves sont là. Mais c'est clever parce que ça a créé un mouvement. Dans ces mouvements, on a vu beaucoup de choses beaucoup qui se sont passées. Mais alors, ces mouvements-là, peut-être je dois mentionner ça. C'était un mouvement vraiment. On a vu, par exemple, encore Père Sonam, Papa Wemba. Et il était à Abidjan, vraiment, on sentait vraiment qu'il était chez lui. Ce qui lui est arrivé, ça bougeait tout le monde. Mais ce mouvement-là des lions, de la culture avec le monde extérieur, a été brisé par les combattants. Donc la culture n'est plus là, donc on ne voit plus vraiment les Congolais émerger, puisque les combattants ne veulent plus les avoir. Bon, j'ai deux chapeaux ici. Je peux avoir un chapeau académique. C'est pas dans le, moi, je suis dans les sciences sociales. Okay. La science, comme tu mets, la science sociale. Sociale. Là où. C'est une déclaration forte. Ces mouvements brisés par les combattants, on peut regarder ça dans deux côtés. Étant un artiste, je sais que ça donnait un halt vraiment forte dans la manière dont. À l'émergence de. Bon, l'émergence existe toujours parce que nous, on a émergé. Même en Europe, beaucoup des artistes ont émergé parce qu'il n'y avait pas des autres qui arrivaient. On parle de Congolais. Donc, quand nous disons que c'est l'émergence des Congolais, on parle de vous, là, vous êtes un musicien
emerging artist, c'est-à-dire vous êtes en train de grandir, vous êtes de clore les talents. C'est que je veux dire, en parlant des combattants, quand on parle de l'émergence, les artistes émergents ont eu la chance. Parce que quand Wera ne vient pas en Europe, après un temps, ils auront besoin d'écouter les artistes qui sont sur place. Donc l'émergence se passe à cause de ces abrupt cuts, ou arrêts. Donc, Catalay, tu veux nous dire que si Catalay se produit aujourd'hui aux États-Unis, les combattants n'auront pas à le bloquer. Mais si ceux qui sont au pays viennent, on va le bloquer. C'est ce que vous voulez dire? Bon, c'est ce que j'ai constaté. Ce que vous avez constaté. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la question était d'abord, les combattants, la déclaration, ce n'était pas la question. Ça, c'est votre déclaration. Et ça a arrêté. Moi, je vais analyser. Non, ça a arrêté, ça, c'est vrai. Ouais. Continuez. Et quelque part, parce qu'aujourd'hui, quand votre musique fait de Bercy, ou possiblement des Stades de France, les gens continuent à parler de vous au niveau international, dans leur news media et tout ça. Et le fait qu'on n'a pas eu ça pendant un temps, il y a eu beaucoup des autres fléaux qui dépassent. Mais par contre, il y a des bénéfices dans tout ça aussi. Certains bénéfices, c'est le bénéfice de la moralité. C'est ça. Faire penser tout le monde et dire hey, attention, de ce qu'on repensons encore, est-ce que nos frères veulent exprimer qu'ils ne sont pas contents par rapport à cet aspect, pensons différemment. Ouais, donc cette poussée nous a aidé aussi à quelque chose. Tout à fait. Mais en même temps, le souhait sera que ça ne va pas pour du bon. Mais ça fait longtemps, c'est bientôt 4-5 ans que vraiment tout est à l'arrêt. Et c'est maintenant les Ivoiriens, les Camerounais qui font le plein sur le marché de la culture musicale. Bon, ça c'est l'opinion congolaise. Et, parce que si je dois analyser ça en termes académiques, oui, quand il y a un vacuum, ça crée plusieurs trucs. Mais en même temps, là aussi, on allait avec nos bickering, nos bêtises un peu. Toi là, moi, c'était devenu déloyal. Tout à fait. Enough that ça allait nous aussi amener à manger de notre vomi. Le vomi. Ouais. Donc, il y avait des dangers aussi qui s'est passé. Parce que un grand homme comme Papa Wemba, il y avait dans le temps, même son nom allait être compromis. C'est ça. Par rapport à plusieurs pressions, aux plusieurs trucs qui s'est passé aussi. Donc, l'arrêt a fait quelque chose qui est bien, nous a fait repenser, redirect. C'est ça. Mais en même temps… Donc, prendre une nouvelle direction. Oui, chaque chose peut avoir quand même… Les bénéfices et les conséquences. Ouais. OK, alors maintenant, revenons un peu au talent. J'avais parlé au début là, mais d'abord, je voulais savoir, un artiste émergent, emerging artist, que vous êtes, quelle est votre vision? Bon, comme je dis, ma vision est coupée en deux morceaux. Un aspect, c'est plutôt la vision artiste, c'est d'expliquer, de continuer à travers mon art et des initiatives, exprimer la contribution de la culture congolaise dans l'histoire du monde actuel. Donc ça, c'est l'objectif que vous voulez. Ça, c'est très bon. Donc, alors, non, il y a des deux, aspects. Deux. Donc, ça n'a pas marqué. Donc, deuxième aspect, c'est plutôt technique. C'est de former des leaders et d'établir des sociaux et professionnels networking. Good. Donc, ça, c'est des aspects. Donc, si je suis ici, c'est quelque part parce que… Le network des gens qui sont dans les domaines professionnels. Oui. Alors, à travers la chanson ou bien comment… Je m'explique. Oui. Si je suis ici, ce qui nous lie d'abord ici, d'abord, un, c'est l'Afrique, le Congo. Et de là va directement la conscience. Un leader est formé à travers la conscience. D'abord. Tout à fait. Donc, ce dénominateur nous met en commun, parce qu'il y a aussi l'aspect social, c'est que nous faisons partie du même continent africain. Donc, on doit avoir cette courtoisie de se rencontrer, parler de ce qui se passe et tout ça. Là, c'est dans l'aspect social. Mm-hmm. Professionnellement parlant, ça nous met en contact aussi avec les autres qui verront nos travaux émergents d'ici. De là aussi, ceux qui sont derrière nous, des écoles que nous enseignons, des enfants que nous venons en contact,
Et à travers nous, ils bénéficieront aussi de ces genres de connexions. Ça, c'est dans l'aspect technique de ce que la vision est en train de faire. Donc, et dans tout ça, si j'écoute quelque chose, si j'entends le rythme 6-8 dedans, je dis que quelque part, l'Afrique a grande chose à faire dedans et le Congo encore pire. Tout à fait. Donc, les deux visions sont bien suivies, Kumu Katalay. Maintenant, le problème que je voudrais un peu demander, ça c'est un peu personnel. Nous avons vu beaucoup de jeunes, quand ils quittent l'Afrique, ils vont en Europe, ils viennent aux États-Unis, au Canada, ils oublient, ils ne veulent même pas qu'on leur dise que vous êtes africain, ils ne veulent pas, parce qu'ils changent même leur langage. Mm-hmm. Mais Kumu Katalay, il reste lié au Congo et à la culture congolaise. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça fait plus de 20 ans que vous êtes ici, mm-hmm. vous avez fait des études ici, à l'université ici, vous travaillez ici, mais vous n'oubliez pas le sol congolais. Bon, j'ai quitté le Congo, j'avais 15 ans. 15 ans. Un enfant de 15 ans au Congo, c'est équivalent presque à un enfant de 25 ans en Amérique. Tout à fait. Parce que, comme on dit... Comment tu peux expliquer ça? The struggle is real. Je vis ma famille, il y a 20 ans, avec mon talent de danse, je devais aller danser de compétition, venir avec un 50 ou 60 francs pour donner à ma maman. C'est ça. Pour dire que c'était devenu réel. Des fois, 4 jours sans manger, c'était devenu real. Donc, tes ambitions étaient que tu t'assoies avec tes amis, comme j'étais toujours, j'avais cet appel de leadership dès l'enfance. Mm-hmm. Je dis qu'on doit aider la famille, on doit nourrir nos familles. C'est ça. Et ces genres de pensées, quand tu arrives dans un pays, tu respectes les données que tu as vues là. Mm-hmm. Mais you don't compromise. Mm. Ça veut dire, même quand tu es dans le collège qu'on a commencé là, au high school, tu te dis que je connaissais presque tous les gangs. Je connais, ça c'est le secteur de Blood, ça c'est le secteur de Creep. Mm-hmm. Lui là, ce sont des Nieta, des Latin Kings. Tous les noms possibles, parce que j'allais à l'école, ça s'appelait Humanity High School. Mm-hmm. Donc, il y a tous les secteurs venaient là. Tout le monde était là. Et j'ai compris une chose. On peut résoudre tout avec de bonnes conversations et communications. Je n'avais même pas besoin de me joindre au gang, parce que j'ai déjà vécu le real struggle in Congo. C'est ça. Ici, c'est quelqu'un te pousse comme ça, plus la parole de Dieu, quelqu'un te fait comme ça, sorry, pardon. Mm-hmm. Donc j'ai appris ça directement. Là, oui. Il se fait que, sachant aussi que j'étais déjà leader, quand tu es parmi les autres, tu veux apprendre leur manière de vivre pour les comprendre, pas pour suivre leur manière de faire. C'est ça. Donc juste pour t'intégrer, quoi. Oui, pour t'intégrer. L'intégration était importante. J'ai appris l'anglais vite à cause de l'intégration. C'est ça. Et dans les endroits, je peux être calme pour comprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on t'attaquait aussi comme aujourd'hui au Shaka Zulu? Bon, tu vois, moi j'ai gardé mon accent, même en anglais. J'ai pas voulu. Si je fais des présentations académiques, je dois annoncer très bien pour que ça soit. Non, juste quand tu viens, mm-hmm. quand tu es venu, tu ne parlais pas anglais. Donc tu viens ici, tu vas à 15 ans, c'est déjà des high school, meaning l'école secondaire. Et c'est là où il y a, surtout à 14 ans, 15 ans généralement, les études qu'on a pu faire aux États-Unis, 95% des jeunes ont déjà fumé des chanvres à 14 ans. Mm-hmm. Alors, c'est l'âge que tu es venu ici et tu t'es intégré. Est-ce que... Oui, donc ça a à faire avec le nom. Non, tu vois, l'esprit a confirmé le nom Kumu. Kumu, mm-hmm. ça veut dire quoi? Mm-hmm. Ça veut dire chef. C'est ça. Ça veut dire sage. Mm-hmm. Et ça veut dire aussi quelque part roi. Tout à fait. Quand tu viens être un roi, tu ne compromets pas trop. Quoi. Et c'est à cause aussi de Papa Mobutu. Hein. Tu vois, ça, c'est la Bankos, hein, Capibash Mode. C'est à cause de Papa Mobutu aussi. Il y avait cette fierté. Quand tu viens, tu as, you have your heads up. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout Congolais. De tout Congolais, c'est ça, c'est ça. Hein? Donc moi, quand même, il y avait cette fierté. Et ça joue avec le nom et le sang qui fonctionnent dedans. Quoi. Tout à fait. Alors, parlons maintenant de l'accoutrement. Mmh. Oh, par grâce, tu vois, ça, c'est à Bankos, non? C'est comme c'est, dans le temps de Papa Mobutu. Ouais. Ça me rappelle... Avec Colmao. Ouais, ça me rappelle un peu de... D'où c'est venu? Tu as amené ça de Kinshasa ou bien... Bon, ça, c'est... j'ai été sponsorisé par Capibash Mode. Okay. C'est une
couturière congolaise qui est ici. Ouais. Mais la mode capybache mode a commencé depuis 1989. Okay. Donc, mais c'est maintenant elle est stabilisée en Amérique. Okay. Donc, bon, moi mon concept c'est contemporain, ça veut dire contemporain traditionnel. Tout à fait. Donc, et à cause de ce que je représente là, donc capybache mode a trouvé bien de sponsoriser un peu le truc pour un Nkoumou, quoi. Alors, comment elle appelle ça maintenant? C'est toujours Abakos ou bien ça a un autre nom? Là, il faut demander capybache mode. Non, quand tu portes quelque chose, elle t'a dit non, porte ça, le nom, c'est comme ça. Et non, mais c'est que sur moi, mon concept, c'est contemptra, okay, qui veut dire contemporain traditionnel. Traditionnel. Et ces mélanges-là, c'est évident. Et après ça, le reste, you know, c'est, ça, c'est de Abakos, comme on connaît, fait by capybache mode. Ah, Katalaï, nous tendons vers la fin de notre émission. On ne peut pas vraiment rester indifférent sur l'événement qui a frappé le Congo et l'Afrique, la mort de Papa Wemba. Est-ce que vous avez une chanson pour Papa Wemba? D'abord, je souhaite toutes mes condoléances à l'Afrique tout entière, le monde, parce que Papa Wemba n'est pas seulement pour le Congo. Il est l'exemple. Il est le résultat des études de plusieurs gens. C'est ça. Donc, ça veut dire, dans lui, tu vois cette notion combinée là. Donc, c'est un contemptra dans plusieurs volets. C'est ça. Nous tirons beaucoup des exemples de lui. Et je dirais que je ne pense pas que c'était un homme parfait. Tout le monde n'est pas parfait. Ouais. Il n'était pas conflictuel. Tout à fait. Ça se remarque. Ça, c'est vrai. Ça se remarque. Et je l'ai eu à lui rencontrer ici, je crois, en 99, si je me souviens, ou 2000. Il est venu jouer à Central Park. Et après ça, tous les Congolais de la communauté étaient partis quelque part pour le rencontrer et parler. J'ai exprimé tous les raps que je connaissais à ce temps-là, parce que j'écris aussi du rap. Et toutes mes chansons de ce temps, la chanson que je viens de chanter, j'ai chanté là, je dis « Ndeko komegate yo kokisa » Polingona yona oya nzambe mo konji poyalinga kio uta bomwana nayo kino lelo. Je fais écouter ça à Papa Wemba, je me souviens. Ça fait longtemps, j'étais encore plus jeune. We're talking 1999, or 98 even. J'avais un rap que j'ai écrit dans ces temps-là. J'ai dit, ndeko moma ya chance, bon pona kolia livance, ya kokota na branche, oye komi mona planche, et pas bolingoza ya soukate, oye moina ko simbate, mona nanzambe ko ya manzambe na vino, ako chanksone pano na forma moto, o komi moto, motoza na moto, devant bateau, bako yo kate bo moto, na yote mona nzambe, klemo nzambe, tonga finga me kobosa na te, klasenga na famia ba Christo, Isaac le kaliboso na famia Yesu Christo, ndeko mo Christo, longoto sangola sangwa Christo, na waspe na isto, Bolingwa Christo, Guko le Kalipo, tu fina pesto, na yembela na kumisa, mukile koti fiti na za, pona Bible, komamite ko zongi sa mabe na mabe, au nom de Jésus, une fois belle le koti sipito pale na lifelo, yoka satana na lelo, kola de moto bengi na templo, na autorité, so pesa na l'apostolo, ko bengi na milimo no sotu ya mbindo, na beta ba bindo, madova, na zwa rien en Christ, na za plus que bindo, to madova, botika na vova, na otu nzamba sa in la vie, na nga mutu, alongolinga na fulu, no sotu ya masumu, mungu wang, na rappela, na ça, c'est excellent. Hein? I did this rap for Papa Wemba in 98. Et quelle était sa réaction? The father is sitting there, he's looking at me. C'est ton fou. Oh, Papa Wemba. Vraiment, I was sitting, I'm still writing this song. On est en train d'écrire plusieurs chansons, you know, to remember. Oh, my heart is in pain as the Congo cries. My heart is in pain as the whole Africa mourns. Papa Wemba, yeah. Donc, on est en train d'écrire. Parce que, le paradoxe dans tout ça, il a beaucoup de valeurs qui a stimulé une révolution culturelle pour le Congo. On peut parler de la SAP. Parce qu'on voit de la SAP pour voir ces mots, oh, ces gens-là, ils font rien. Bon, those are subcultures, you know. Mm-hmm. Parce qu'on a de main culture, those are subcultures. Ça, parce que le struggle is real. Chacun dépend d'une manière de penser pour s'affermir. C'est ça. Donc, et ça augmente aussi cette envie
de chercher un peu de l'argent. Oui, oui. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes gens qui chantent et qui ont émergé. Ils ont fait une carrière, puisque un orchestre, bien que les gens ne voient pas ça, c'est une entreprise. Oui. Donc, vous voyez une personne qui chante, il amène des musiciens, et puis chaque musicien a une famille derrière qu'on est dans de nourrir. Comme mon orchestre, c'est un orchestre et c'est un projet. The Lifelong Project Band. C'est un orchestre et c'est un projet. L'orchestre, c'est une entreprise. Parce que nous vendons en échange ce qu'on cultive culturellement. On met ça dans des chansons, on met ça dans des danses, on exprime ça dans plusieurs volets. Ce sont des produits qu'on met ensemble. Et dans ces produits, ça va au-delà maintenant parce que ça touche nos vies de chaque jour. C'est ça. Alors, Katalaï, Isaac Katalaï, Nkomo, quelle chanson de Papa Wemba a marqué ta vie? Esclave, il y a esclave, il y a plusieurs, parce que souvent j'interprète. Une qui a marqué ta vie. Je dirais esclave a marqué ma vie. Tu peux nous donner un. You know, it's because I haven't sung in a while, so let's see. Okay, just let's see. Quelle note tu peux faire? Mon Afrika, mon yolo la kingo. Mon Amerika, yande la masinyo. Mon yoko linga yina fimo ya bapayao. Mon yoko linga yina fimo ya bapayao. Boboto linga yiba nzambe nyoso ya Afrika. Mama. Mon Amerika na keinze la masinyo. Mon Afrika, mon yolo la kingo. Bote kinga ina zando ya tipo tipo Njela mula ye oyo njela ya Zanzibar Na keye na Amerika mama Enga ye ye, enga ye ye Enga ye ye, enga ye ye Na bo ye ye, na bo yo yo Na bo ye ye, na bo ye That, you know, c'est, la chanson-là, je crois, quand j'étais encore plus jeune, parce qu'il a refait ça encore. C'est ça. Même quand je chante là, je ne pense pas par rapport à aujourd'hui, je pense comment je l'ai écouté. Pour la première j'étais fois. À Yolo, Yolo Sud, à Mobati. C'est ça. Merci beaucoup, Isaac Katalaï Nkomo. Nous avançons. Nkomo Katalaï, simplement. Donc, c'est ça. Tu ne veux pas Isaac? Non, Isaac, c'est mon nom. C'est le nom que Dieu m'a donné. Et étant un artiste, pourquoi? On doit représenter, tu vois, là... La culture... Ouais, c'est lié aussi au branding. Okay. Donc, Nkomo Katalaï, parce que je suis fier de vraiment représenter ce que le Congo est pour le monde. C'est ça. Revenons maintenant au projet. Quels sont les projets d'après? Donc, il y a des concerts culturels qu'on fait. Et il y a un concert qui s'appelle Night of Culture Exchange. Il y a ce qu'on appelle des Intellection Gathering. Donc, tout ça, c'est pour provoquer le truc culturel. Ce sont des concerts et initiatives. Où ça se passe? À New York ou bien? Et à New York, le 21 mai, j'ai un concert. C'était lié à mon anniversaire culturel. C'est ça. Mais en même temps, comme la mort de Papa Wemba nous a atteint subitement, je vais dédier une partie de ça pour un tribute à Papa Wemba. Mais on fera un autre plus vaste avec des amis dans le futur. Donc, il y a ce genre de projets. Il y a des projets de production, il y a des projets de théâtre avec le groupe de danse et plusieurs autres collaborations en l'avenir. Ouais. Okay. Et même alors, pour faire les non-for-profit. Le 21, c'est où? Le 21 mai, c'est où? Sur Shrine NYC, c'est à New York ici. Shrine, c'est à 134, 133 et 7e avenue. I think the building will be 2271. 133, c'est dans Manhattan. Manhattan, Harlem. Yeah, Manhattan. Donc, the building is 2271, 2271, Adam Clinton Power Boulevard. Okay. C'est entre la 133e et la 134e. Donc, ça commence 22h, c'est seulement $10. À chaque fois qu'on joue, c'est vraiment c'est une symbiose culturelle. Donc, parce que nous ne sommes pas là pour danser. Et déjà, comme tu disais,
comme je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas là pour faire n'importe quoi. N'importe quoi, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, je dois représenter cette identité en plusieurs volets. Tout à fait. Ouais, donc, c'est parce qu'il t'arrive deux fois de faire des concerts, des chansons religieuses aussi? Oui, avec l'église, en fait. Vous faites ça? Oui. Okay. Et moi-même, parce que la plupart... Parce que moi, mes chansons, je chante pour Dieu et j'écris plusieurs chansons qui expliquent un peu le Congo et comment le Congo est lié à l'histoire, you know, du monde. C'est ça. Donc, ce sont des chansons de conscience. C'est ça. Donc, je ne peux pas aller loin de mon appel. Quoi. Tout le temps. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Alors, je vous donne l'occasion, Nkomo Katalay, de parler aux Congolais, aux Africains. Tu peux parler dans les trois langues. Ouais, ouais, français, anglais, lingala. Donc, dis à tout le monde quelque chose. Yeah, first of all, I want to thank God for this occasion. Again, when you are a young immigrant, anywhere in the world, you know, even the Bible noted, there's an extra favor comes to immigrant or visitor because it's not easy. You know, some of us have to merge to the language. We have to overcome, you know, so many factors. But we are thankful. We're seeing our African community continue to mobilize. So I encourage everybody, everyone in immigration or immigrants in America to continue to get together, to continue to stay solid and strong, and not to give up hope. Continue to work the hardest. Push the new generation into studying. Teach them the culture of education so that it's something they can benefit from. Donc, je disais que, étant un jeune immigrant aux États-Unis, c'est pas facile, mais on a gardé l'espoir, on fait pour faire la fierté de nos cultures. Donc, j'encourage aussi des autres qui sont dans le pays, dans les diasporas, l'Africain dans le diaspora, partout que vous êtes, nos frères qui sont venus avant nous, 400 ans passés, 300 ans passés, et nous autres qui sortons à peine. Continuons à nous mobiliser, encourage l'Africain. Dis à l'Africain que tu es un roi. Dis à l'Africain que c'est dans toi la victoire commence. Dis à l'Africain que c'est dans toi la liberté des consciences commence. C'est à travers toi la solution pour l'Afrique de demain. L'Afrique qui est liée fortement aux logistiques élevées. L'Afrique qui est liée aux techniques bien fondées. L'Afrique qui est liée à l'heure, qui ne vient plus en retard. Donc, toutes ces choses comptent. Hein, de Tolobi. Pour la biseau, tu as mis les bananes en boucle pendant un temps. Il a facilité parce que faut tout sur la bande de Kobazal au basket en boucle, mais en même temps, il faut tout travailler. Il faut des fois même aux autres temps, aux autres salles, nous surtout faut ça ensemble. Il a facilité pour bande de Kobé besoin en boucle, pour encourager biseau, ne biseau peut te encourager bino, mais il a au moins quoi, tout garder d'unité la biseau n'est longuette. Africain, il biseau m'ninga na oké, azalin kumu, azaroa, azadine. De yende réponse ya lobby et ali na yende pe au mona ke initiative na eza bien encourageons nous yep sande konon ke olingara yep sande konon ke malamu na eza malamu na nga pas na opesa ngai. Donc je vais finir en disant encore mes condoléances na Congo Mobimba parce que tu perds nabi le baoba est tombé soudain. Il y a 200 ans, même à 1000 ans, en 66, ce n'était pas encore le temps, mais Ndambakou Mama a payé sa rapazui. Donc, c'est ça, merci. OK. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission où nous avons reçu notre bien-aimé Nkomo Katalay, le roi Katalay, parce qu'il a donné la signification du mot Nkomo. Alors, nous sommes très contents qu'il ait été avec nous. Nous sommes contents, très contents même, qu'il ait essayé un peu de nous parler de sa vision culturelle, de ses projets d'avenir. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très, très, très engagé. Alors, nous ne manquerons pas d'aller là où il est. Et nous vous demandons, vous qui les suivez, si vous pouvez prendre rendez-vous avec lui le 21 mai. Il va se produire. C'est l'unique manière qu'on peut l'encourager, puisqu'il ne peut pas vivre de l'aumône. Il vous donne un exercice et vous lui donnez aussi, en revanche, un petit coup de main. Ça ne fera pas du mal. Donc, merci beaucoup, Katalay. Oui. Merci, oui. Donc, KMB. Oui. Donc, les autres peuvent aussi nous suivre aux zones sociaux, comme Nkomo Katalay en Facebook, oui. Ou à l'Instagram, c'est Nkomo Katalay. N-K-U-M-U, Katalay, K-A-T-A-L-A-Y.
dans un Instagram, un Twitter. C'est comme ça qu'on peut aussi se lier, là où quand on partage nos messages, on est tous ensemble. OK, ouais. Encore une fois, ouais. Toutes les bonnes choses et thank courage. You very much. Yes. OK, merci.